le monde diplomatique. Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. Pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café. Pourquoi maman fait souvent des nouilles passé le 15 du mois. Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues très loin de la maison pour enfin décrocher un emploi précaire alors que selon vous, une seule rue suffisait. Pourquoi maman utilise la prime de Noël pour payer la taxe d'habitation et audiovisuelle avec des pénalités de retard. Pourquoi des maisons sont vides alors qu'elle voit des Français dormir dans la rue. Pourquoi maman trie régulièrement nos affaires et les donne à d'autres gens qui n'ont rien. Pourquoi maman se sent heureuse et dit qu'elle est riche quand elle arrive à s'offrir un café en terrasse bien meilleur qu'à la maison. Pourquoi maman dit qu'elle s'est cogné le pied quand elle pleure le soir dans son lit en consultant le solde de son compte. Pourquoi maman sait déjà qu'elle ne pourra pas lui payer de grandes études. Pourquoi cette année, encore, son arrière-grand-mère, qui a travaillé toute sa vie en tant que femme de ménage chez des gens aisés, touche environ 750 euros de retraite. Pourquoi donc elle vient passer l'hiver en famille une année de plus en laissant sa cuve de chauffage au fioul vide. Pourquoi les gens riches continuent d'obtenir les miettes qu'il restait aux pauvres. Pourquoi maman dit que nous sommes pauvres sans jamais s'en plaindre malgré sa colère. Monsieur le Président, pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête. Si, après lui avoir expliqué tout cela, il vous reste encore un peu de salive, dites-lui pourquoi maman a honte de vous. Une maman comme tant d'autres.